بدأ السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام. السلام عليكم. ها سي ميو. Voilà. Non, t'as vu là? Tu veux pas faire de live, Anabad? C'est pour ça que je dis, Non, vas-y, je. fais un live. Non, non, c'était. Non, oula, j'avais pas l'attention. Oula. Ah, bah c'est pour ça que je Mais dis, vas-y, fais un c'est juste pour montrer l'importance de ça, du verset-là. Ce verset-là, il est grave. Parce que regarde. Regarde, hein. Regarde, hein. Regarde. Alors, c'est écrit quoi? Lis, c'est écrit quoi? Sourate al-Furqan. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. C'est bon؟ لقد أضلني عن الذكر آه. بعد إذ لقد جاءني. أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Tu vois, donc là ça parle du jour du jugement de, ça, là ça parle du jugement dernier. D'accord? Bon, regarde. Allah il dit le jour où l'injuste va les mots. L'injuste. Ça veut dire celui qui a suivi le mauvais chemin. Tu vois? Il a été injuste avec la famille du prophète. Il les a négligés. Tu vois? Il a choisi le mauvais chemin. Ce jour-là, l'injuste, quand il va voir Mohammed et sa famille, hein, au bassin, quand il va voir le prophète Mohammed avec toute sa famille au bassin, et lui, il pourra pas boire du bassin, hein, j'ai ramené toutes les sources, hein, Bukhari et tout, et lui, il pourra pas boire du bassin, il va se mordre les deux mains. D'accord? Et il va dire malheur à moi. Si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager et sa famille. Tu vois? Si seulement j'avais suivi le prophète et sa famille. Pourquoi je suis parti de l'autre côté? Pourquoi je suis parti de l'autre côté? Tu vois? Hein? Et il va dire, malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris, et là, ils mettent un tel pour ami. Si seulement j'avais pas suivi un tel. Si seulement j'avais suivi la famille du prophète. Mais Hein? est-ce que c'est un Tu vois? tel? Attends, Explique ça, explique moi un tel. je vais vous le montrer. Attends, je vais vous le montrer. Hein? Il m'a en effet égaré qui un tel? Un tel, il m'a égaré loin du rappel, hein, après qu'il me soit parvenu. Bon. Dans le tafsir de Ahlul Bayt, de la famille du prophète, ici, tu vois, Allah là, le Burhan fi tafsir le Coran, ça c'est le tafsir de la famille du prophète, je vais à la page 446 pour retrouver le verset. Alors, c'est le verset numéro 26, je crois. Ouais, 26. Là, on est à 50. Bon, j'ai du mal à lire en même temps que... Attends. Et c'est très petit. Ah, si je mets comme... Ah non, si je mets comme ça va pas le faire. Parce que c'est trop petit. Attends. Même avec les lunettes, je crois que je vais pas voir. Là, on est au verset 44. Je vais aller au verset 28, 20, 26. Là, 30. Attends. Regardez bien. Là, on est... Non, ça, c'est sourate Nahl. Je suis pas à la bonne page. C'était 446. Al-Furqan, Ouais, le Furqan. Al-Furqan, c'est 25. Sourate 25. Verset 26. Nahl est là avant ou là après? Nahl, je sais pas. Ouais. Bon, toi, tu me réponds jamais quand tu veux. Bon, je vais aller regarder la table des matières, c'est rien. Alors. Ben, tu vois, je suis même pas dans la bonne tome. J'ai pas téléchargé la bonne. Parce que, en fait, le livre, il est dans le téléphone.
Et là, c'est la tablette. Alors, attends. Bah oui. Attends, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai téléchargé, moi? Attends, je vais regarder ici. Vers le Furqan, il y a Sourate Nour, Shura, Neml, c'est après. Avant le Furqan, t'as Nour, le Mouminine, le Hajj. J'ai perdu quitter le live. Bon, c'est pas grave. Bon, je veux réaller. Alors, Kitab. On a le temps si bien. Kitab al-Burhan fi tafsir al-Qur'an. Bon, je vais télécharger le. T'as dit c'est la sourate 25. Non, mais il faut le bon livre. Qu'est-ce que j'ai téléchargé ici? Ici. Qu'est-ce que j'ai téléchargé? Ah, ici, alors ça c'est le 5. Attends. Ah, ben là que c'est ça. Attends. Je vais télécharger celui-là. Alors, je vais regarder ici. Est-ce que. Là, je suis en train de télécharger l'autre. J'ai pas dû télécharger le bon. Hein. Et là, je vais aller vers la table des matières. Ah, ici. Sourate al-Furqan. Regarde. Sourate al-Furqan. Donc ici, on est 431. Alors, le Furqan, là. Alors, là, c'est quel numéro de verset? 26, Ah, Yoma Ya'abdu 27. Dhalimu. Regarde. Yoma Ya'abdu Dhalimu ala yada. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains. Les mains. Et il faut que j'aille au début du verset. C'est long. Il y a beaucoup de tafsir. Hein. Regarde tout ce qu'il y a. Ici. Alors, ici, tu vois ici, là, regarde. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Il dira, le jour où l'injuste se mordra les mains, et il dira, malheur à moi, si j'aurais dû suivre le chemin du prophète et de sa famille. Hein? يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. خليلة. Malheur à moi. Malheur à moi, hein, je n'aurais pas dû prendre un tel pour ami, un tel. Hein. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Il m'a égaré du rappel après qu'il m'est parvenu. Bon. Alors, ici, regarde, hein. Le jour où l'injuste se mordra les deux mains. Regarde, regarde. Ya'koulou yadehi hatta, attends, excusez-moi. Hatta tadhaba ila al-mirfaqayn. Il va manger sa main jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Et, summa tanboutan. Il va manger ses deux mains jusqu'au coude. Et Allah va les faire repousser. Tu vois? Hein? Voilà, Voilà, Yazal Hakada. yazalu. Et à chaque fois qu'il repousse, il va manger encore ses mains jusqu'au coude. Ça va Et il repousser. va repousser. Pourquoi? Pourquoi? Pas parce qu'il n'a pas prié, ou il n'a pas jeûné, hein? Ou il n'a pas donné l'aumône. Non! Parce qu'il a été injuste, il n'a pas suivi la famille du prophète. Parce Voilà. que le prophète, avant de mourir, il a dit, je laisse des gardiens pour la religion. Hein? C'est impossible qu'un prophète il s'en va sans désigner quelqu'un. C'est impossible. C'est impossible. Hein? Le prophète il a désigné, mais on nous l'a caché. Hein? On nous l'a caché. Omar il dit, كانت بيعة أبي بكر فلتة وكر الله شرها. Dans Sahih Muslim, Omar il dit, l'allégeance à Abu Bakr c'était un coup de poker. Un coup de poker. Allah nous a préservés de son mal. Fatemmet. Hein? Tu vois, Omar, il le dit. On a eu peur. Hein? On a fait un coup d'État. Hein? On a fait un coup de poker. Hein? Je pensais pas que ça allait marcher. Mais alhamdoulillah, Abou Bakr, son califat, il a duré. Et moi, j'ai pris la relève. Tu vois? Hein? Omar lui-même, dans Sahih Muslim, il dit c'est un coup de poker. Hein? Pendant que l'imam Ali,
Pendant que l'imam Ali il est en train de laver le corps du prophète, eux, ils étaient dans la Saqifa des Benu Saïda, en train de comploter pour désigner un calife. Hein? Il y avait Abu Ubaïda ibn Zarrah, celui qui creuse les tombes. Hein? Il y avait Abu Bakr, il y avait Omar. Ils sont partis à trois chez les Ansar. Il y a quelqu'un, il est venu les voir, il leur a dit, les Ansar, ils sont en train de désigner quelqu'un. Hein? Ils sont, viens tout de suite. Les Ansar, ils sont en train de désigner quelqu'un. Tu vois? Hein? Et ils étaient dans la maison du prophète. Hein? Ils étaient dans la maison du prophète. Le prophète, il a dit, donnez-moi de quoi écrire un testament. Et Omar, il dit, on a le Coran. Ne lui donnez pas. Le prophète est en train de délirer. Hein? Ils avaient tout préparé. Hein? Et le prophète, il a dit, sortez. Il les a mis à la porte. Et quand il les a mis à la porte, il y a quelqu'un qui est venu et il a dit à Omar, viens, viens avec moi. Ils sont en train de désigner, ils sont, les Ansar, ils sont en train de désigner quelqu'un. Ils sont en train de désigner quelqu'un. Et Omar, il tire le qamis d'Abou Bakr et il dit à Abou Bakr, viens. Et Abou Bakr, il lui dit, laisse-moi. Hein? Parce qu'Abou Bakr, il est en train de faire un discours. C'est quand Omar, il a fait son sketch. Hein? Parce que, le prophète, il les a envoyés dans l'armée d'Oussama. Hein? Il les a envoyés dans l'armée d'Oussama au nord de la Jordanie. Hein? Il a dit, Jahizou, Jaish Oussama. Hein? Il a dit, préparez l'armée d'Oussama. Et ils voulaient pas y aller. Eux, ils voulaient pas. Hein? Parce qu'ils savaient qu'Aïcha, elle était en train d'empoisonner le prophète. Et Abou Bakr, il voulait être sur place. Il voulait être sur place. Hein? Comme ça. Pour tout préparer, tu vois. Et le prophète, il savait. Donc, il les a fait sortir. Il leur a dit, Jahizou, Jaish Oussama. Préparez l'armée d'Oussama. Tu vois. Et il a mis Oussama qui avait 18 ans. Il a mis Oussama qui avait 18 ans. Tu vois. Et il l'a mis à la tête. Donc, ils ont trouvé une excuse. Ils ont dit, oh, messager d'Allah, Oussama, il est petit. T'es en train de mettre les grands compagnons derrière lui. C'est honteux. Tu mets Abou Bakr et Omar sous l'autorité d'Oussama. Ils voulaient pas sortir. Et le prophète, il était malade. Tu vois? Et eux, ils complotaient. Et le prophète, il faisait en sorte que leur complot, il marche pas. Et ils savaient, hein. Ils savaient qu'il allait pas marcher. Mais il faut œuvrer. Il faut œuvrer. Le scénario, on appelle ça. Le scénario d'Allah. Tu vois? Tu vois? Le prophète, il savait très bien qu'ils allaient réussir. Parce qu'il l'a dit à, il l'a dit à, il l'a dit à, il l'a dit à Hafsa, à la fille d'Oman. Il lui a dit, tu veux que je te dis un secret? Regarde, le Coran. Il a dit à Hafsa, la fille d'Oman, la fille d'Oman, il lui a dit, tu veux que je te dis un secret? Mais tu le dis à personne. Tu le dis à personne. Hein? Elle lui a dit, d'accord. Il lui a dit, à ma mort, il va avoir un coup d'état. À ma mort, il va avoir un coup d'état. Et Abou Bakr, il va être au pouvoir. Et après, ce sera ton père. Tu vois, ici. Dans Surat al-Tahrim. Tu vois? Surat al-Tahrim ici. Regarde. Hein? Tahrim, Surat 66. Regarde. Lorsque le prophète confia un secret à l'une de ses épouses et qu'elle l'eût divulgué, elle l'a trahi. Elle l'a trahi. Et Allah a dit au prophète Mohammed, alayhi salam, il lui a dit, Hafsa, elle t'a trahi. Elle a tout raconté à Aïcha, la fille d'Abou Bakr. Hein? Et qu'Allah l'en eut informé, il a informé le prophète. Celui-ci en fit connaître une partie. Le prophète, il l'a attrapé, il lui a dit, t'as tout raconté, t'as dit ça, 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 hein, et pas ça sur une autre partie. Puis quand il l'en eut informé, quand le prophète y a attrapé Hafsa, il lui a dit, t'as tout raconté, tu m'avais promis, hein. Elle lui dit quoi? Regarde ce qu'elle lui dit. Elle lui dit, qui t'en a donné nouvelle? Qui est-ce qui t'a dit ça? Elle lui dit, il dit, c'est l'omniscient, le parfait connaisseur, qui m'en a avisé. Il lui a dit, c'est Allah. Il m'a envoyé l'ange Gabriel. Il m'a tout dit ce que tu as raconté. Tout. Tu vois? Hein? Regarde ce qu'il dit Allah à Aïcha et Hafsa. Il leur dit, si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Même si vous vous repentez, vos cœurs, ils ont fléchi. Mais si vous vous soutenez l'une l'autre, regarde. Si vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, si vous attaquez le prophète, si vous empoisonnez le prophète, hein, alors ses alliés au prophète seront Allah, Gabriel
et les vertueux d'entre les croyants. Et ça parle de la bataille du chameau. Ça parle de la bataille du chameau. Hein? Quand Ali a combattu Aïcha. Tu vois? D'accord? Et les anges sont par surcroît son soutien. Ensuite, Allah, il dit à Aïcha et Hafsa, il dit à Aïcha et Hafsa, s'il vous répudie, si le prophète, il vous répudie, mais il va pas vous répudier. Tu vois? Il va vous répudier pendant un mois et il va vous garder. Comme ça, vous serez une fitna pour les musulmans. Vous allez être une fitna pour les musulmans. Et Allah, il va sélectionner ceux qui cherchent la vérité, c'est-à-dire ceux qui étudient et ceux qui ne cherchent pas la vérité. Hein? Vous allez être une fitna pour les musulmans. Allah, il va éprouver les musulmans par toi, ô Aïcha. Il va éprouver les musulmans par toi, ô Aïcha. D'accord? Regarde. Ici, Sahih Bukhari, Hadith 3104. Ici, Hadith 3104. D'accord? Abdullah ibn Omar, le fils de Omar, il a dit, l'envoyé d'Allah s'est levé pour prêcher. Il montra la direction de l'habitation d'Aïcha. D'accord? Hein? Et il dit trois fois, à trois reprises, c'est là que se trouve la fitna, la division des musulmans, la tentation, c'est-à-dire l'apostasie, la mécréance, les troubles, là où se lève la corne du diable. La division, elle va se lever dans la maison d'Aïcha. Tu vois? C'est écrit là. Bon. Et on a, si je le retrouve, tu vois? Et c'est là qu'elle l'a empoisonné, t'as vu? Regarde. Regarde ici. Tu vois? Ça, c'est quand le prophète, il veut écrire un testament. Et Omar, il le laisse pas. Hein? Il dit, il est en train de délirer. Omar, il dit, le prophète, il délire. Tu vois? Le prophète, il délire. Hein? On a le Coran. Hein? Bon. Maintenant, il y en a, ils vont dire, ouais, mais ça, c'est toi qui le dis, hein? Où c'est écrit que c'est Omar? Bah, où c'est écrit que c'est Omar? Bah, dans le Bukhari, regarde. Voilà, ici. Regarde. Ici, le même hadith. Le prophète, il dit, hein, Abdullah ibn Abbas, il dit, lorsque les souffrances du prophète devinrent plus vives, il s'écria, qu'on m'apporte de quoi écrire, afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur. Vous n'allez pas vous diviser. Vous n'allez pas vous diviser. D'accord? Après moi. Après ma mort. Ça, c'est le prophète qui dit ça. Hein? Et Omar, il dit, la douleur éprouve durement le prophète, dit Omar. Ils avaient déjà préparé, hein, le complot. Nous avons le livre d'Allah, hein, qui nous suffit. Qu'est-ce qu'il voulait écrire, le prophète? Il voulait écrire, il voulait mettre par écrit Ali et le calife après moi. Il l'a dit plusieurs fois oralement et il voulait le mettre par écrit. D'accord? Comment on le sait? Ben, c'est dans Sunan al-Nasa'i. Regarde, un livre, il explique l'autre livre. Regarde, Sunan Nasa'i ici, faut lire. Si vous lisez pas, vous allez jamais y arriver. D'accord? Regarde, Sunan Nasa'i, ici, Aïcha, elle dit, c'est Nasa'i, c'est sunnite, imprimé en Arabie Saoudite, à Riyad. Aïcha, elle dit, ici, ici, regarde, عن عائشة قالت عائشة قالت يقولون إن رسول الله أوصى إلى علي. Elle dit, pourquoi j'entends les gens dire que le prophète a désigné Ali رضي الله عنه علي. Hein? لقد دعا بتسطين. Elle dit, il ment. Elle dit, il ment. Hein? Il était chez moi. Il est mort sur mes cuisses. Il a demandé une tasse يبول فيها pour pisser dedans, pour uriner. Le prophète il avait envie d'uriner, elle a dit. Fankhanasat nefsuhu. Et son âme, elle est sortie. Wa ma ash'uru. Et je me suis même pas aperçu qu'il était mort. Fa il amène aoussa. Et là, elle ment. Là, elle ment. Hein? Parce que le prophète, il est mort. Il est mort dans les bras de Ali. Hein? Et quand il est mort, il est devenu très, 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 très lourd. Très lourd. Il est en train, pourtant, Ali, c'est un costaud, hein? C'est un guerrier. Hein? Et le prophète, quand il est mort, il est devenu très, très, très lourd. Ali a dit,
il a dit à son oncle Abbas, il a dit, ya Abbas, adrikni, halukt, oh Abbas, viens à mon secours. Il allait être écrasé, tellement là, le corps du prophète, la valeur qu'il a, le poids du corps du prophète. Comment une femme, elle peut supporter le prophète sur ses cuisses? Alors, pourquoi elle dit, pourquoi Aïcha, elle dit, ils sont en train de dire que le prophète, il a fait le testament pour Ali. Pourquoi elle dit ça? Tu vois? Bon, on revient ici. Tu vois? Omar dans le Bukhari ici, dans le Bukhari, dans le Hadith 114, Omar, il dit, on a le Coran, on ne veut pas de la Sunna. On a le Coran, on ne veut pas de la Sunna. Hein? Les avis à ce moment-là divergèrent et la discussion devint assourdissante. Ils ont commencé à se disputer alors que le prophète est en train de mourir. 3 jours plus tard, le prophète il meurt. Hein? Et le prophète il dit, retirez-vous, laissez-moi, reprit le prophète. Il les a foutus à la porte. Hein? Il ne convient pas que l'on se dispute en ma présence. Vous vous rendez pas compte? Le prophète est en train de mourir et Omar il crée une bagarre. Il crée une bagarre. Bon, regarde, hein, Ibn Abbas sortit en disant le malheur, tout le malheur, et le fait de s'opposer au souhait d'écrire du prophète. Il s'oppose, Omar, il laisse pas le prophète écrire la Sunna. Bon. Maintenant, Omar, quelqu'un, il faudrait même dire, ouais, mais c'est pas le Omar là, hein. C'est peut-être un autre Omar. Ben, on va aller voir, toujours dans le Bukhari. Est-ce que c'est Omar ibn al-Khattab? Ou est-ce que c'est un autre Omar? Hein? Regarde ici. Ça, c'est le Bukhari. Hadith 5669. Hein? Ibn Abbas, il dit, lorsque l'envoyé d'Allah fut à l'agonie, il y avait dans sa chambre des personnages. Entre autres, Omar ibn al-Khattab. Le prophète dit, lève-toi, ô Omar. Lève-toi, Omar. Je vais vous écrire, hein, un texte grâce auquel vous ne pourrez pas vous égarer, dorénavant. Vous n'allez pas vous diviser. Il n'y aura qu'un seul islam. Hein? Le prophète, s'écria Omar, est dominé par la souffrance. Vous avez le Coran. Et le livre d'Allah nous suffit. Omar, il veut pas de la sunna. Il veut pas. Hein? Comme elle a dit Aïcha, hein? Ils sont en train de dire que le prophète a fait le testament pour Ali. Tu vois? Hein? Omar, il veut pas. Parce qu'ils avaient déjà comploté. Ils avaient déjà comploté. Bon. Quand le prophète, il a dit à Hafsa, ici, un secret, il lui a dit, ton père, Abou Bakr, il va être calife, et après, ce sera ton père. Il va avoir un coup d'état. Mais ne leur dis pas. Parce que le prophète, il sait très bien, hein, il sait très bien, l'ange Gabriel, il lui a dit, ça va arriver. Hein? Mais le prophète, il dit, ne leur dis pas. Il veut pas être le, il veut pas être la cause de la division. Tu vois? Parce que le prophète, il se dit, si Hafsa le dit, ils vont accélérer le mouvement pour me tuer, pour m'empoisonner. Ils vont accélérer le mouvement. Ils vont prendre la confiance. Parce qu'il se dit, si Hafsa, elle dit que ça va, elle dit à Abou Bakr et Omar qu'ils vont être califes. Eux, ils vont se dire, bah, c'est-à-dire, ils vont rien nous arriver. Hein? Ils vont rien nous arriver. Hein? Regarde, ici c'est bien Aïcha et Hafsa. Si vous vous repentez, Aïcha et Hafsa. D'accord? Coran traduit par les sunnites, Yanissou. C'est Coran traduit par les sunnites. Voilà. C'est pas moi qui interprète. Je ramène tous les livres les plus authentiques. Mais ils sont pas sunnites. C'est ça le problème. Non, ils connaissent pas. Ils connaissent ils connaissent pas, leur pas livre. Ils connaissent pas. Ils font la ils prière, pas mais leur ils connaissent. Livre. Attends, ils connaissent attends. Pas ils leur connaissent. Coran, leur tafsir. Laisse-moi parler. Ils connaissent rien de leur livre. Ils savent même pas. Ils savent même pas ce que ça veut dire authentique, pas authentique. Ils ne juste ils prient comme des ânes. Ils tombent comme ça par terre. Tu vois, comme des poules qui sont en train de becquer. C'est tout. Ils connaissent rien de Sakin. Wallah. Nous, on est là pour les sauver. Wallah, on est là pour les sauver. Hein? On arrive à empêcher un, deux, de temps en temps. De temps en temps, on arrive à empêcher un, deux. Hein? Moi, je leur conseille d'aller étudier le sunnisme. Je leur conseille pas d'être chiite. Je leur conseille d'aller étudier leurs livres. Ben oui. Sérieusement. Doucement, le sunnisme. Allah y guide. Bien sûr, Allah y guide. Mais Allah, il te dit de lire et d'apprendre.
Tu crois que tu vas être guidé comme ça Non, de hop? non, non, Allah il dit, Inna Allah la yahdi qawm al-fasiqin. Allah ne guide pas les pervers. Tu vois, elles ne tombent pas dans leur piège. Tu connais les versets du Coran. Subhanallah. Tu lui dis, oui, c'est vrai, Allah il guide. Allah il guide et il guide pas. Il y a des gens, il les Ouais, guide. Il y a oui, des bien gens, il les sûr. guide Non, pas. mais c'est pas ce que je D'accord? disais, hein. Non, c'est Bon. clair. Non, Il y a parce des que Zahma, versets. elle croit que la guidée, elle va venir comme ça, elle va tomber du Ouais, pour ciel. que ça va venir comme ça, sans qu'elle étudie. Sans Hein? qu'elle Allah Rabbi va étudie, lui donner. sans lire. Ouais, Allah, il dit, le ouais. premier verset qui est descendu, c'est Iqra. Lis. Voilà. Lui, Alors, lui lis. al-Hamara. Lui al-Hamara. Al-Hamara. Tes livres, tu les connais pas. Hein? Pourquoi je dis al-Hamara? Parce que Allah, il les a traités de des ânes. Il a dit, Matalul himar yahmilu asfara. Kamathilil himari Voilà. Ils sont comme des ânes qui portent des livres. Allah, il l'a dit ou pas? Sur leur dos. Hein? Et si tu dis à l'âne, qu'est-ce que tu portes sur ton dos? Il va dire, je sais pas, je les ai pas lus. Moi, juste, je les porte. Hein? Ils ont des livres pour décorer. Ils les lisent pas. Hein? Tu vois, même avec des preuves, même avec des preuves. Bukhari, Muslim, même Tu avec des lis preuves. leurs livres, tu les ramènes devant leurs yeux, tu leur montres avec les preuves, avec le Coran traduit par leurs savants, etc. Et malgré ça, ils sont aveugles. Allah. Hein? Il dit, Allah, il dit, c'est pas les yeux qui sont aveugles, c'est les cœurs, fistons d'eau. C'est les cœurs qui sont, c'est leurs cœurs qui sont aveugles. Hein? Khatam Allah ala qulubihim wa ala absarihim ghishawa. Allah, il a mis un topo sur Deux leurs cœurs. vis tèches. Allah, il dit, c'est des ânes, c'est comme des ânes qui portent des livres. Tu vois? Donc, le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tout son possible pour dire à Allah, le jour du jugement dernier, bon, je savais que ça allait arriver, mais j'ai fait le jihad. Tu vois? J'ai fait le jihad. Attends, je vais vous montrer autre chose. Ah bon, regarde ici. Bon, je vous ai montré comme quoi que la mécréance, elle sort de la maison d'Aïcha. OK? Ça, je vous l'ai montré. Bon. Alors, Voilà. Rocco, tu dis n'importe quoi. C'est Regarde ce qu'elle avec dit. force. Avec Regarde, regarde ce force. qu'elle dit. Regarde ce qu'elle dit. Laisse-moi faire mon truc, s'il te plaît. Regarde dans Sahih Bukhari. Regarde dans Sahih Bukhari. Qu'est-ce qu'elle dit, Aïcha? Hadith 3268. Elle dit, Aïcha a dit, le prophète fut ensorcelé. Aïcha, elle dit, le prophète fut ensorcelé au point d'être la proie d'hallucinations. Il s'imaginait faire ce qu'il ne faisait pas. Pourquoi elle a dit ça? Pour dire, pour appuyer les termes de Omar. Omar, il a dit, le prophète, il délire. On a le Coran. Et Aïcha, elle a dit oui. Il a même été ensorcelé. Il savait pas ce qu'il faisait. Hein? Moi, un prophète qui a été ensorcelé, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, Dis-moi. Wallah al-Adam, je ne le suis pas. Pourquoi? Parce que ensorcelé, ça veut dire que tu as un démon, tu as un djinn. Comment le Bien prophète, il sûr, peut avoir un djinn? les djinns peuvent t'atteindre. Ouais? Non, ensorcelé, ça veut dire que tu es atteint par un djinn. T'as un djinn, ça veut dire que t'es possédé. Et plus toi-même. T'es plus toi-même. Hein? Elle dit, il pensait, alors il pensait faire la prière et puis il l'a pas fait. Il pensait, en vérité, quand elle disait, il s'imaginait faire des choses, elle parle des rapports sexuels. Elle dit, dans un autre hadith, elle dit, il s'imaginait avoir couché avec ses femmes, mais il n'y avait pas couché avec ses femmes. Et Allah, il leur répond, wa ma sahibukum bimajnoun. Tu vois? Et Allah, il répond dans le Coran, votre compagnon n'est pas possédé. Pourquoi tu dis ça au Aïcha? Tu vois? Voilà pourquoi les chrétiens nous insultent, c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup de cons chez nous. Il y a 80% de connards chez les musulmans. 80, c'est énorme. Wallah, c'est énorme, 80% de connards. Alors, ici. Regarde, ici. Bukhari 3605. Bukhari. Regarde ce qu'il dit. Regarde. Regarde. Abu Huraira a dit, j'entendis ce dernier s'exprimer en ces termes. J'ai entendu. Attends. J'ai entendu le véridique, c'est-à-dire le prophète,
dont la véracité est reconnue, dire la ruine de mon peuple, la ruine des musulmans sera causée par quelques jeunes de Quraysh, les Omeyyades, qu'ils étaient. Et regarde, des jeunes de Quraysh, des jeunes gens de Quraysh, hein, répétant Marwan. Si, reprit Abu Huraira, si tu veux que je te les nomme, hein, ce sont les fils d'un tel et les fils d'un tel. Ils enlèvent toujours les noms de famille, le Bukhari. Il veut pas qu'on sache. Donc il remplace les noms de famille par un tel et un tel. Et à chaque fois, il fait ça. Hein. Et même dans le Coran, malheur à moi, si je n'avais pas pris un tel comme ami, regarde, ici, je voulais montrer. Regarde ici. Regarde. Ici. Regarde. Hein. Regarde. Surat al-Furqan. Regarde. Malheur à moi, hélas, si seulement je n'avais pas pris un tel. Ils changent toujours les noms. Tout le temps. Comme ça, on ne sait pas c'est qui. Tu vois? Hein? Tu vois? Ils sont en train de suivre le mauvais islam. Et ils ne savent pas, M'sakin. Wallah! Ils ne savent pas. Hein? Moi, ce que je dis, c'est Inch'Allah, on meurt tous demain. Je suis pressé. Je suis pressé. On va bien rigoler. Wallah! Inch'Allah, on meurt tous demain. Inch'Allah. Tous ceux qui sont dans le live. Inch'Allah, ya Rabbi. Dites Amin. Dis Amin à Zonono. Dis Amin. Amin, Amin, Amin. Inch'Allah, on meurt tous demain. Et on se retrouve devant Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Inch'Allah, on meurt tous demain. Inch'Allah, ils vont se mordre les mains. Ils vont se mordre les mains. Moi, ça, j'aimerais bien. Tout ça parce qu'ils ont suivi bêtement. On leur a dit, et eux, ils disent, au lieu d'aller chercher par eux-mêmes, prendre Bukhari, Muslim, lire du début à la fin. Là, vous allez savoir c'est quoi, hein, après, Bukhari Muslim. Lisez-le du début à la fin et méditez sur les hadiths. Regarde Bukhari. Bukhari aime bien Abu Bakr et Omar. Le Bukhari aime bien Abu Bakr et Omar. Regarde, hadith 4845. Regarde. Nafi, hein. C'est Ibn Omar. C'est le fils de Omar qui dit ça. Il rapporte. Regarde. A dit, peu s'en est fallu que les deux plus grands bienfaisants des musulmans, Abu Bakr et Omar, ne périssent pour avoir trop élevé la voix en présence du prophète. Écoutez, regardez vos livres, écoutez, s'il regarde. Vous plaît. Ils ont crié devant le prophète. Hein? Et Bukhari, il dit, c'est des bienfaiteurs. Hein? Comment des bienfaiteurs qui crient devant le prophète, ils peuvent être meilleurs? Hein? Comment? Tu vois? Ils ont élevé la voix en présence du prophète. Ils l'ont pas respecté. Tu vois? Regarde. Abu Bakr et Omar. Bon, bref, je reviens à ce que je disais. Je cherchais un autre hadith, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. Tu vois? Tu vois? Bukhari est toujours en train de cacher la vérité. Regarde ici, hadith 4977. Il dit, regarde, dit telle et telle chose. Il a dit telle et telle chose. Tu vois, telle et telle chose. Il cache toujours la vérité. Hein? Tu vois, telle et telle chose. Kada wa kada. Tu vois, hein? Regarde, Aïcha, hadith 5133, Bukhari. Elle dit, Aïcha, d'après Aïcha, le prophète l'épousa alors qu'elle avait 6 ans. Elle l'a sali, elle le déteste. C'est pour ça qu'Allah y a dit, si vous attaquez le prophète, hein? Si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, alors ses alliés seront Allah, hein, Gabriel et les vertueux d'entre les croyants. Ça, c'est l'imam Ali. C'est l'imam Ali. Tu vois? Elles se sont soutenues pour attaquer le prophète. Tu vois? S'il vous répudie. Tu vois? S'il vous répudie. Alors, est-ce qu'il les a répudiés? On va prendre Sahih Muslim, ici. Est-ce que le prophète a répudié Aïcha et Hafsa? Regarde, Sahih Muslim, c'est dans leur livre, hein. Tu vois, là, je viens de commencer à regarder. Regardez. Je viens juste de commencer. Regardez. Tu vois? Regarde tous les livres qu'il y a. Je viens juste de commencer. Bon. On va prendre Sahih Muslim. La page du divorce. Ici. Talak. Regarde. Sahih Muslim. Chapitre du divorce. Regarde ici. Abu Bakr
et Omar se sont levés, puis se sont avancés vers Aïcha et Hafsa, chacun d'eux voulant médire sa fille, chacun d'eux voulant traiter sa fille, en disant ensemble, vous demandez au messager d'Allah de vous donner ce qu'il n'a pas. Elle, Aïcha et Hafsa, elles ont répondu, non, nous jurons par Allah qu'on ne demande pas. Ça veut dire, soit c'est eux qui mentent, ils jurent, hein, soit c'est le prophète. Alors, qui est-ce qui ment? Aïcha et Hafsa ou le prophète? Ah ben, tu sais quoi? Les sunnites, ils vont te dire, ben, le prophète, il s'est trompé. Wallah, ils vont te dire ça. Wallah, ils vont te dire ça. Hein? Si Abdelhaï était là, si Abdelhaï était là, il va dire, c'est le prophète, il s'est trompé. Et il a dit, ayyama insan, sababtuhu, hein, quelle que soit la personne que j'ai maudit, hein, Allah il va lui rendre ça des hasanat pour lui. Tu vois? Regarde, hein? Regarde. Aïcha et Hafsa. Hein? Après qu'il, le prophète, s'est séparé de ces deux femmes-ci. Tu vois? Dans Sahih Muslim. Hein? Dans Sahih Muslim. Tu vois? Le prophète, il s'est séparé de ces deux femmes-ci. Tu vois? Lui, je vais le mettre muet parce qu'il est mal poli. Il vient d'arriver, il dit c'est quoi le sujet? Tu vois, ils sont pas éduqués. Il faut qu'on les éduque. Il faut qu'on les éduque de force. Il vient d'arriver, il dit c'est quoi le sujet? C'est comme si demain il rentre dans la classe en retard et puis il dit au prof, vous êtes en train de parler de quoi? Il dit aux élèves, va t'asseoir, ferme ta gueule et écoute. Bon. Donc tu vois, il les a divorcés. Aïcha et Hafsa. Alors, on disait que le prophète, il a dit à Hafsa, je vais te dire un secret, je vais mourir, et Abu Bakr va être calife, une petite période de temps, et après, tu vois, Adam Traoré, Adam Traoré, comment tu peux être con à ce point-là? Adam Traoré. Comment, Roya, comment ta mère, elle t'a mis au monde con à ce point-là? Ici, un secret à l'une de ses épouses. Si tu prends le Coran, comment tu vas savoir c'est qui? C'est pas écrit. Comment on peut être con, mais vraiment con? Oula! T'es con à en faire pitié. Oula! Oula, l'Adem, tu fais pitié. On arrive, tellement t'es con, on n'arrive même pas à avoir de la haine pour toi. Oula! Comment on peut comprendre l'histoire là? Comment on peut comprendre l'histoire là si on prend que le Coran? Comment? Hein? Tu vois, un hadith fait Bukhari. Tu vois, Bukhari, ils connaissent même pas leur religion. Oula! En plus, hein? Regarde ce qu'il t'a dit. Tu vois? Regarde ce qu'il t'a dit. Il va dégager. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Coran. Ouais, c'est pas omis. J'ai déjà expliqué. La traduction, elle est fausse. Elle est fausse. Tu vois, ils connaissent même pas. Kitabi. Vas-y, en avant. Même Farratna. Il connaît même pas l'arabe. Wallah. Il prend des traductions fausses. Ma farratna. Ça veut dire on n'a pas négligé. Hein? C'est pas omis. Tafrit. Négliger la négligence. Subhanallah. C'est pas on a omis, hein? On n'a rien omis. Regarde ici. Tu vois, ils vont nous faire perdre notre temps. Ici, ils vont nous faire perdre notre temps. Bon. Surat Ali Imran, la famille d'Imran, verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre, le Coran. Il s'y trouve des versets équivoques, hein, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à diverses interprétations. Comment tu fais quand tu es devant un verset qui peut prêter à diverses interprétations? Comment tu fais? Si Allah n'y a rien omis. Allah est en train de dire que dans le Coran, il y a des versets clairs et des versets équivoques, douteux, dont on n'a pas l'explication. Bon, comment tu fais, hein? Regarde, les interprétations diverses. Les gens, donc, qui ont au cœur une inclination vers l'égarement,
mettent l'accent sur les versets équivoques, douteux, hein, en cherchant la division, la dissension, et en essayant de leur trouver une interprétation. Alors que nul n'en connaît l'interprétation, à part Allah, le prophète, et ceux qui ont été initiés par le prophète. Hein. Et ceux qui, il n'y a pas de point ici. Ils ont mis un point, mais il n'y a pas de point en arabe. D'accord? En arabe, il n'y a pas de point. D'accord? Allah, il dit, mutashabihat minhu, ptira al-fitna wa ptira ta'wilahu. Wama, regarde. Wama, ya'lamu ta'wilahu illallah, wa rasikhuna fil ilm. D'accord? Yaqulun, amen nabihi. Kullun min indillah. Hein? Seul Allah, le prophète, et les enracinés dans la science connaissent l'interprétation de certains versets. Et lui, le con, là, hein, Adam Traoré ou je sais pas quoi, lui, il est en train de nous dire, moi, je connais l'interprétation de tout le Coran. Il me suffit. Agoun. Agoun. Comment on peut être agoun comme ça, à ce point-là? Hein? Voilà, voilà pourquoi des gens comme Bambino, ils parlent comme ça. Parce que les sunnites, ils ont sali l'islam. T'as vu ce qu'il dit Bambino? Violer, torturer, tuer, cet homme était le mal, rien d'un messager. C'est exactement ce que les sunnites y décrivent dans leur livre. Si, il a dit ça. Tu vas aller le rejoindre, village je sais pas quoi là. Hop, allez, va le rejoindre, dégage. Koud. Bon, ici on a le Milal ou le Nihal de Shahristani, un très grand savant chez les pseudo-sunnites. D'accord? D'accord? Un très grand savant chez les pseudo-sunnites. Toi aussi, on est en train de lire leur livre, il dit on est des chayatim. Bon, vous bloquez pas, ben c'est moi qui bloque. Hein. Et vous perdez l'histoire, du coup, Hasden. Tu vois? Parce que vous faites pas votre boulot. Voilà. Tu vois? Hein? J'allais vous expliquer en détail comment ils ont fait, hein? Mais vous faites pas votre boulot. Hein? On est en train de perdre notre temps avec des cons à cause de vous. Eux, leur but, c'est que moi, j'arrête de parler. J'arrête de lire leurs livres. C'est ça, leur but. Eux, leur but, c'est que Anabad, j'arrête de lire leurs livres. Tu vois? Et vous êtes en train de leur donner le pouvoir. Hein? Vous me dites, mets-moi modérateur. Mais derrière, il n'y a personne. Modérateur, t'as quoi? T'as quoi, modérateur? T'as walou? Hein? Si, il y a des distinctions entre les prophètes. Il y a des distinctions entre les prophètes. Regarde, lui, comment ça se fait qu'il commente, qu'il est toujours en train de commenter, lui? Lui, il a dit, il est en train de dire, on fait pas de distinction entre les prophètes. Il va dégager. Hop, voilà. Bon, regarde, hein, on fait pas de distinction entre les prophètes, hein. Regardez le Coran, ce qu'il dit. Regardez, hein. Ils connaissent même pas le Coran. Et ils viennent discuter avec moi. Bon, regarde, hein. Regarde ici. Hein. Il a dit, Hada Adam Traoré, il est en train de dire, on fait pas de distinction entre les prophètes. Bon, regarde le Coran. Surat la vache, le Baqara, regarde, Surat le Baqara, hein, verset 253. Et parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Alors, on fait de la distinction entre les prophètes ou non? Ça, c'est le Coran. Hein, verset 253, la vache. Allah, il dit, tilka ar-rusul faddalna ba'dhum 'ala ba'd. On a préféré certains prophètes par rapport à d'autres. Hein? Et après, il en est des prophètes à qui Allah a parlé, comme Moïse. Moïse, il a été préféré par rapport à d'autres prophètes parce qu'Allah, il lui a parlé. Hein? Et il en a élevé d'autres en grade, comme Abraham et le prophète Mohammed. Hein? Il les a élevés en grade. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté les preuves, le bayinat. Hein? Et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Donc Allah, il fait de la différence entre les prophètes. Et toi, Adama, petit con, là, hein, tu viens nous enseigner le Coran? Hein?
N'importe quoi, Mehdi, wallah. Excuse-moi, j'ai pas N'importe dit. quoi. Non, Quoi? pas toi, Mehdi, hein. Mehdi 84 dans le... Tu vois? Dans Donc le Allah dans le Coran. Coran, il dit qu'il a élevé certains prophètes par rapport à d'autres. D'accord? Hein? Lui mesquine tellement qu'il est con, lui regarde ça. Regarde, là nous farriqu. Regarde, hein? Lui, parce que Bayna non, parce que lui il est en français, c'est normal. Le Coran en français, c'est pas le Coran. Regarde. Regarde, hein? Ici. Non, c'est pas ça. C'est pas le verset là, attends. Ici. la nous farriqu bayna hadin Ouais, ici. Regarde, ici. et Tu la vois, fin de ici. l'Baqara. Non, ça c'est Sourate Ali Imran. Moi, je cherche la fin de l'Baqara. آمن الرسول بما Voilà, أنزل ici. إليه. Ici. Ici. Verset 285. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, le prophète Mohammed, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers, en disant, nous ne faisons aucune distinction. C'est pas distinction, c'est nous farriqu. Nous ne séparons aucun prophète entre eux. Nous ne séparons pas les prophètes entre eux. Ils sont venus avec la même religion. Et si on sépare les prophètes, on va créer le judaïsme, on va créer le christianisme, on va créer le sunnisme. Donc on sépare pas les prophètes. Ils sont venus avec la même religion. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Hein? C'est pas distinction. Hein? C'est nous farriqu, al-hamar. Regarde, nous farriqu. Hein? Comment ils connaissent même pas l'islam, ils connaissent même pas l'arabe, et ils viennent nous donner des leçons. C'est malheureux, hein? Avant, on n'avait pas ça. Hasdin, dans les années 80, quand on est rentré dans l'islam, il n'y avait pas ça. Non, 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 non. Il n'y avait pas. Les gens, ils Il n'y fermaient avait leur gueule. pas. Les gens, ils Hein? écoutaient, ils fermaient leur Oula! bouche, Ils ils écoutaient, ils fermaient écoutaient. leur gueule. Voilà, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas science, qu'ils n'avaient pas lu, hein, qu'ils savaient pas. Mais plus l'islam, il commençait à devenir Connu. beaucoup en France, plus les gens, Oula! ils commençaient à pratiquer, ben, plus ils parlaient sans science. C'est devenu la mode. C'est devenu Wallah, la mode. c'est une mode, l'islam. Ben ouais, Oula, c'est une moi mode. je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles, quand on sortait, on est sorti des années, il y a des jeunes qui venaient, à peine un an qu'ils ont commencé à sortir, déjà ils voulaient nous apprendre. Wallah, c'est un truc de ouf. Ouais, Rouaibida. Le prophète, il l'a dit. Rouaibida. Ils l'ont dit, Ya Rasulallah, Wama Rouaibida. Kala, l'homme qui connaît rien, l'ignorant, il était quel l'amour? Fichu'un. Il va parler sur les choses des gens. Il va faire des fatwas. Hein? Rouaibida. Le Nabi alayhi salam, il dit, Bada al-Islam ghariban, Sayaoudu ghariban kama bada'a, Fatouba lil ghuraba. L'islam a commencé, il était étranger, il était faible, l'islam au début. Il était comme, les gens quand ils ont vu l'islam au début, quand le prophète il l'a prêché, ils voyaient ça comme une religion étrangère. Hein? Et à la fin des temps, le prophète il a dit, l'islam il va redevenir étranger. Fatouba lil ghuraba. Qu'Allah fasse miséricorde aux étrangers. Tu vois? Amen. Ouais, Donc, ça les dépasse. le prophète, il dit à Hafsa, je vais te dire un secret, et tu le dis pas à Aïcha, à ta comparse. Tu vois? Tu lui dis surtout pas. Tu vois? Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie lui dire. Tu vois? Elle lui a dit le prophète, tu vois, ça c'est le Coran. Si vous vous repentez, Aïcha et Hafsa. Tu vois? Elle est partie dire à Aïcha, tu sais que le prophète, il va mourir? Et ton père, il va être calife et après ce sera mon père. Du coup, là, ils ont activé le coup d'État. Tu vois? Bon, comment on sait qu'il les a divorcés? Ben, c'est facile. Il suffit d'aller là. Tu vois? Le livre du divorce. Tu vois? Où est-ce qu'il est? Ici. En plus, ils l'ont Le bien livre mis dans du. le livre du divorce. Ouais, le livre du divorce, Sahih Muslim. Tu vois? Authentique, regarde, authentique, ça est musulman, ici, et c'est Omar qui dit, c'est Omar, regarde, Omar ibn al-Khattab m'a raconté,
Ibn Abbas il dit, Omar ibn Khattab m'a raconté, hein, quand le messager d'Allah s'est séparé de ses femmes, je suis entré dans la mosquée où j'ai trouvé les gens en train de frapper la terre, hein, avec des cailloux. Ils se lamentaient, les gens, les musulmans, dans la mosquée. Ils ont dit, ils se lamentaient et ils disaient, le prophète y a divorcé. Le prophète y a divorcé Aïcha et Hafsa. Le prophète y a divorcé Aïcha et Hafsa. D'accord? Le messager d'Allah a divorcé ses femmes avant de prendre conscience ce jour-ci. Alors ensuite, Omar il dit, je suis entré chez Aïcha et je lui ai dit, ô fille d'Abou Bakr, comment est-ce que tu arrives à léser le messager d'Allah? Comment tu peux faire du mal au prophète? Tu vois? Hein? Elle, Aïcha, elle dit à Omar, mêle-toi de tes affaires, va voir ta fille. Elle lui a répondu à Omar en posant la question suivante. Oh, Ibn al-Khattab, hein, laisse-moi tranquille, fous-moi la paix. Hein, tu dois seulement faire la morale à ta fille, à ta propre fille, Hafsa. Tu vois? C'est écrit. Hein, comment est-ce que tu es arrivé à léser le messager? Il est parti voir Hafsa. Omar est parti voir Hafsa. Hein, il est parti voir sa fille et il lui a dit, comment est-ce que tu es arrivé à léser le messager d'Allah? Comment tu peux faire du mal au prophète? Tu vois? Hein? Et Omar, il dit à sa fille, je jure par le nom d'Allah que tu sais que le messager d'Allah ne t'aime pas. T'as vu? Omar, il dit à sa fille, tu sais très bien que le prophète, il t'aime pas. Hein? Si le prophète, il t'a épousé, c'est parce que je l'ai forcé. J'arrêtais pas de lui dire, prends ma fille, prends ma fille, prends ma fille. Il t'aime pas, le prophète. T'es pourrave. Hein? C'est pour ça, Allah, ici, dit dans le Coran, hein, s'il vous répudie, s'il vous divorce, hein, si vous vous repentez, Aïcha et Hafsa. Tu vois? Tout est là. Tout est là. Hein? Il y a que l'aveugle du cœur qui ne voit rien. D'accord? Bon. Après, je vais allumer la lumière. Après. Et c'est court. Et des rappels comme celui-ci, je vais en faire tout le temps. Jusqu'à ce que ça rentre dans les mœurs. Hein? Je vais en faire tout le temps jusqu'à ce que ça rentre dans les mœurs. D'accord? Elle a pleuré. Hein? Omar dit à sa fille Hafsa, je jure par le nom d'Allah que tu sais que le messager d'Allah ne t'aime pas. En outre, sans moi, c'est moi qui ai forcé le prophète. Hein? Le messager d'Allah t'aurait divorcé. Hein? Il est parti supplier le prophète. Il lui a dit, divorce-les pas. Je vais m'en occuper. Tu vois? Hein? Et ces deux femmes-là, ils ont empoisonné le prophète. Hein? Et ils ont accusé une femme juive. Hein? Elle a pleuré à chaudes larmes. Alors je lui ai demandé, où est le messager d'Allah? Elle m'a répondu, il est à sa place, dans la chambre. Tu vois? Il y avait une petite pièce où le prophète s'isolait. Tu vois, à mon entrée, j'ai rencontré Rabah, le valet du prophète. Omar, il demande à rentrer. Hein? Au début, le prophète, il veut pas. Après, le prophète, il le laisse rentrer parce que Omar, il a crié à haute voix. Tu vois? Et ici, il dit, regarde, hein, j'ai ajouté le livre du divorce. Omar, il dit, j'ai ajouté, je crois que le messager d'Allah pense que je suis venu pour ma fille Hafsa. Je m'en fous de ma fille, moi. Je suis pas venu pour Hafsa. Omar, il dit ça. Je jure par le nom d'Allah que s'il m'ordonnait de frapper son cou, hein, je jure sur le nom d'Allah que si le prophète, il me demandait de frapper le cou de Hafsa, je le ferai. Je lui trancherai la gorge. Tu vois? Son cou. Hein, je le ferai. Hein? M'entendant hausser de nouveau le ton, le prophète, il l'a fait rentrer. Tu vois? Tu vois? Il l'a fait rentrer. Et, regarde, le hadith, il est long. Je tourne la page, regarde. Je tourne la page, hein, devant la porte de la mosquée, et j'ai crié à haute voix, le messager d'Allah n'a pas divorcé ses femmes. Tu vois? Il est parti supplier le prophète pour qu'il les garde. Regarde ici, la page d'avant. Demandez au messager d'Allah de donner ce qu'il n'a pas. Elles, Aïcha et Hafsa, ont répondu, nous jurons par le nom d'Allah que nous ne demandons pas au prophète
ce qu'il n'a pas. Tu vois? Et Omar, il dit, après qu'il, le prophète, s'est séparé de ces deux femmes-ci. D'accord? De ces deux femmes-ci. Ok? Aïcha, hein? Faut être aveugle pour pas voir. Hein? Vous avez quoi dans les yeux? Aïcha et Hafsa. Dans le Coran? Dans le Coran? Aïcha et Hafsa. Hein? Voilà. Aïcha, elle était espionne pour son père. Exactement. Exactement. Hein? Le prophète, avant de mourir, il a dit, Jahizou, Jaish Oussama. Préparez l'armée d'Oussama. Hein? Et il a envoyé Abu Bakr et Omar. Ça, c'est après que Hafsa l'a raconté. Elle a cafardé. Après que Hafsa l'a cafardé, le prophète, il a dit, il faut que je sorte Abu Bakr et Omar de Médine. Il faut que je les... Mettez, il faut que je les sorte de Médine. Donc, il a préparé une armée. Bismillah. Et il a dit à Abu Bakr et Omar, vous allez sortir avec l'armée. Vous allez sortir avec l'armée. Tu vois? Et eux, ils voulaient pas. Parce que, au moment-là, Aïcha, elle est en train de mettre du poison au prophète. D'accord? Ça, c'est quand le prophète, il a dit, ne me mettez rien dans la bouche. D'accord? Hadith al-Loud. Hein? Ne me mettez rien dans la bouche. Hein? Et ils lui ont mis un poison dans la bouche. Faut que je le trouve. Tu vois, faut que je le trouve. Je sais pas le chapitre de la maladie dans Bukhari. Voilà ici. Tu vois, hein, je connais le Bukhari hein, par cœur, les frères. Regardez, Sahel Bukhari. Regarde, Sahel Bukhari. Hadith 4458 selon Ali, selon Yahya qui a ajouté, Aïcha, c'est toujours la même, a dit pendant sa maladie qui a entraîné sa mort. Nous lui avions administré un médicament. C'était du poison par le coin de la bouche. Ils ont entendu que le prophète, il tombe dans le coma et elle a ouvert sa bouche et elle n'arrêtait pas de lui mettre. Et elle a dit aux autres, c'est du médicament, vous inquiétez pas. Tu vois? Et il nous fit signe. Le prophète, il s'est réveillé. Hein? Et pendant qu'il tenait ses lèvres, pendant qu'Aïcha et Hafsa, ils étaient en train de tenir les lèvres du prophète et mettre le médicament, le prophète, il faisait avec sa main, lâchez-moi, lâchez-moi. Il leur fit signe avec la main de le lâcher. Nous pensâmes que c'était à cause de la répugnance qu'ont les malades pour les médicaments. Et Aïcha, elle dit aux autres qui sont dans la pièce, elle dit non, non, les malades, ils aiment pas les médicaments. C'est pour ça qu'il fait ça. On va lui mettre quand même. On va lui mettre quand même. Hein? Les gens, ils l'ont écouté parce que c'est la femme du prophète. Ils ont dit comme si que la femme du prophète, elle va l'empoisonner. Tu vois? Et le prophète, il les prévient. Il leur dit, ne me mettez rien dans la bouche. Parce qu'il sait ce qu'ils vont lui mettre. Hein? L'ange Gabriel, il lui a tout dit. Hein? Il lui a tout quoi dit. Quoi que tu lis là? Bukhari. Bukhari. Oui. C'est sûr. C'est sunni. Oui. Oui. Ah. Non, parce qu'il y a quelqu'un dans le commentaire, une personne de sensé ne va te croire. Regarde. Moi, je pensais 4400. Que... Ouais. Regarde. Non, 4458. Ah, oui. Ils prennent le numéro. Ils prennent le numéro. Non, mais c'était pour savoir si tu lisais. Oui. Regarde, Bukhari a mis ça dans le livre des expéditions militaires. Donc c'est des livres sunnites, c'est Bukhari. Oui, c'est Bukhari, ben Azden, arrête. Regarde. Non mais t'as pas compris. Il y en a un dans les commentaires, il dit « Personne de sensé ne va te croire ». Moi, je te pose la question. Oui, je te pose la question pour leur montrer que ce que tu lis, c'est Bukhari. C'est des livres sunnites. Regarde. Donc ne croyez pas Bukhari. Regarde. Hadith 4458, c'est le livre le plus authentique chez les sunnites après le Coran. Subhanallah. Hein? Regarde. Selon Yahya qui a ajouté, Aïcha a dit, pendant sa maladie, c'est elle qui raconte. Elle a tout menti. Après la mort du prophète, elle a tout falsifié. Attends, elle a le chien, tout falsifié. Je vais le virer. Hein? Tu vois? C'est ta mère qui a écrit ça, clochard. Chien. T'as vu comment ils sont? T'as vu comment ils sont?
T'as vu? T'as vu comment ils sont? Hein? Ma Ça, mère, c'est mère, Daesh. ah, espèce de chien, va. Asden, tu vois, ça, c'est Daesh. Ça, c'est Daesh. Wallah al-Adim, c'est Daesh. Daesh, ça vient d'Omar ibn Khattab. Daesh, un jour, je vais faire un live sur ça. Avec toutes les preuves que Daesh, ça vient d'Omar ibn Khattab. Tu vois? Regarde. Nous lui avons administré un médicament par le coin de la bouche. Et il nous fit signe de ne plus le faire. Il leur a dit arrêtez. Nous pensâmes que c'était à cause de la répugnance qu'ont les malades pour les médicaments, pour les remèdes. Quand il eut repris ses sens, le prophète il a dit, il nous dit, ne vous avais-je pas interdit de m'administrer quoi que ce soit dans ma bouche? Il leur avait interdit. Quand on désobéit au prophète, c'est de la mécréance. Tu déclares la guerre à Allah. C'est pire que de la mécréance. Ouais, c'est de la mécréance. Voilà. Là, Et je suis Allah, il dit énervé. ici, et Allah, il dit ici, Allah, il dit ici, hein, mais si vous vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, Il vous continue, hein, lui, soutenez là. contre le prophète. Il tu dit ce vois? qu'il y a dans vos livres. Bande Tu vois? d'incultes. Tu vois? Si vous vous soutenez contre le prophète, tu vois, c'est dans le Coran, regarde. Hein? Si vous vous soutenez contre le prophète, Aïcha et Hafsa, ça prouve qu'ils aiment Aïcha plus que le prophète. Wallah al-Azim. T'as vu? Ils sont en train de défendre Aïcha. Nous, on défend le prophète. On dit que Et le eux, ils prophète, il défendent leur a dit. Aïcha. Ouais. Et eux, ils défendent Aïcha. Ils montent tout à Ils montent tout à Tu vois? Et il faut que je vous le montre, le hadith. Il faut que je vous le montre. Il faut que je le trouve. C'est Regarde important. bien, Fatmi, regarde bien le livre, Regarde. regarde bien les livres, tous des livres Regarde. sunnites. Regarde, c'est tous des livres sunnites. Paraquat et je sais pas quoi là. Vous lisez pas vos livres. Vous suivez une religion. Même la prière qu'ils font, c'est pas ça. Ils savent même pas prier. Wallah, Regarde. les ablutions déjà. Ah ouais? Et quand il lui dit tu prétends être l'envoyé d'Allah? Aïcha, elle dit Oui, ça au prophète alayhi salam. oui. Hein? Elle Non, dit parce qu'elle qu'il y a quelqu'un, il dit, elle n'a jamais fait de mal au prophète. regarde Bukhari, Bande regarde Bukhari, d'ignorants. regarde Bukhari, tome 2, Bukhari tome 2, Ah, lisez vos livres, 3260, Wallah. 3200, 3268, Bukhari, regarde. Aïcha a dit, le prophète a été ensorcelé, il y avait un djinn. Au point d'être la proie d'hallucinations. Le prophète y a halluciné. Hein? Jusqu'à ce qu'Allah y a dit, Wa ma sahibukum bi majnoun. Votre compagnon n'est pas possédé. Tu vois, dans le Coran. Allah, il a innocenté le prophète. Hein? Elle le déteste. Hein? Et regarde-là. Regarde-là. Attends. Voilà. Il faut que je le trouve. Tu peux commenter pendant ce temps-là, tant que je cherche le hadith. Bon, ici, alors, ça, faut que je le garde, je vais le lire après. Ça, je vais le lire après. Si bien je finis le live avant la prière du Maghreb. Hein. Avant la prière du Maghreb, j'arrête le live. Elle a dit aussi, Aïcha, c'est toujours elle. Bukhari, tome 3, Bukhari. Hadith 5042, Bukhari. Ça a dit Regarde quoi, Aïcha, qu'est-ce Bukhari, qu'elle dit. ça? C'est quoi comme livre? Regarde, Aïcha a Si, dit, c'est chiite, ça, Aïcha, non? attends, Aïcha a dit, le prophète, ayant entendu quelqu'un réciter
le Coran pendant la nuit, il récitait le Coran dans la mosquée, le prophète a dit, Dieu fera miséricorde à cet homme, car il m'a rappelé tel et tel verset que j'avais oublié. Tu vois? Tu vois? Elle dit que le prophète En fait, oubliait, il oublie le il oublie le Coran, Coran. Ibn Ammi. Le prophète oublie le Coran. Tu C'est vois? Ali Chine, ça, non? Elle l'a sali. Elle l'a sali C'est comme pas Ali possible. Chine? C'est pas Ali Voilà. Chine, là? En Abad? Hein? Sahih Bukhari, c'est pas Ali Chine. Tu vois? Regarde, regarde. Ici, tout à l'heure, j'ai montré ça à Mousseline. Attends, je prends du fluo. Tout à l'heure, j'ai montré ça à Mousseline. Regarde ici. Bukhari, regarde. Bukhari, voilà. Regarde, hein. Bukhari, regarde, ici. Attends, le bouchon, où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Attends, je mets le bouchon. Attends, moi j'ai pas vu Bukhari, il faut le montrer, hein. Bukhari, Ah ouais, Sahih comme trois, Bukhari. Ouais. comme trois, ici. Hadith 5180, 5191. Abdullah ibn Abbas a dit, j'avais toujours eu un vif désir de questionner Omar ibn al-Khattab au sujet des deux femmes du prophète à qui Allah a dit, à l'occasion desquelles a été révélé ce verset. Si vous revenez à Allah, si vous vous repentez, c'est que vos cœurs ont fléchi. Sourate 66, verset 4. Oh Alors, yo, sourate 66, verset 4, ici. ça craint. Si vous vous repentez, hein, c'est que vos cœurs ont fléchi. C'est qui ça? Aïcha et Hafsa. Ah Aïcha ouais, et Aïcha Hafsa. Hafsa, D'accord? Bon. fils d'Abou Regarde le Bakr et hadith. d'Omar. Regarde le hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas dans le Bukhari. Il dit, si vous vous repentez en Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Bon. Enfin, comme Omar. Attends, écoute. Enfin, comme Partez de Omar. son live, ils vont vous mettre des ambiguïtés. Comme Omar faisait le pèlerinage, Ibn Abbas, il dit, j'ai toujours voulu savoir c'est qui ces femmes-là. Pourquoi on nous les cache? Pourquoi on nous cache les noms des femmes-là? Pourquoi on nous cache? D'accord? Bon. Il dit, parce que le prophète, attends, il faut que je dise une chose. Parce que le prophète, à cette époque-là, le prophète, à cette époque-là, le prophète, il y avait, regardez. À cette époque-là, le prophète, il y avait, regardez. On va sortir le livret de famille. Regardez. Voilà. Le livret de famille, tu vois? Ça, c'est le livret de famille. À cette époque-là, le prophète, il y avait, ici. Ils ont même fait son livret de famille, les sunnites. Ouais, ils ont fait les sunnites, ils ont fait le livret de famille. Regarde. Tu vois? Hein? Khadija. La première épouse. La deuxième, c'est Saouda. Khadija, elle était morte. Donc, elle est innocente. Khadija, elle était morte. Donc, elle est innocente. C'est la reine des femmes du paradis. Ça. Bon. Après, il y avait Saouda, deuxième épouse. Troisième épouse. Il y avait En gros, Aïcha. s'il te plaît, Hein? 2 secondes. Regarde, écoute, hein. Oui, mais il y a des éditeurs chiites qui réécrivent les hadiths de Boukhari. Tous les hadiths qui sont cités dans le Boukhari, vos savants, ils les citent. On les a Non, mais je. entendus. Non, 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 regarde, regarde, laisse-moi parler. Regarde, regarde, c'est facile. Regarde, regarde, c'est facile. Wallah, c'est facile. C'est parce que lui, c'est un con. Il va jamais chercher. Il n'y a qu'à prendre les numéros. Ouais, Pourquoi bah oui. je donne les, pourquoi je donne les numéros des hadiths? Bah, Comme comme ça, ça, ils les vont gens, chercher pour les ils vont intelligents. vérifier. Voilà, Bah oui, regarde, pour ceux qui édition, sont regarde, doués regarde, de regarde. C'est doter de sunnite, ça. raison. Regarde, 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 Et... regarde. T'as vu? C'est sunnite. Tu vois? C'est sunnite, ça. Ils sont dans toutes les bibliothèques. Wallah. Voilà, ouais, bah oui. Ils sont partout. En Wallah. plus, si Moi, c'est n'importe quoi. je donne les numéros comme ça. Alors, Ibn Abbas, il a toujours voulu savoir c'est qui. Pour pas accuser des autres. Parce que le Ouais, prophète, il a demandé à Omar, ouais. le prophète, il a laissé 9 femmes derrière lui. Et il voulait savoir c'est qui les ennemis. C'est qui les ennemis du prophète? Tu vois? Et Omar lui a dit, regarde, hein, regarde, regarde. À propos desquels le Coran dit, si vous vous revenez à Allah, c'est que vos cœurs ont dévié. Tu vois? Tu m'étonnes. Omar, il dit à Ibn Abbas, tu m'étonnes. Tu vois? Oh, Ibn Abbas, me répondit-il. Qui? Omar. D'accord? Omar. D'accord? Et il dit, ces deux femmes sont Aïcha. Hafsa. Et Hafsa. C'est qui l'a Hafsa. écrit ça? C'est un sunnite, ça. Voilà. Hein? D'accord? D'accord? Et il y a en arabe. Voilà. Il y a en arabe. Ils ne lisent pas leur livre. Wallah. Non, il Bon, lit pas. bref. Hassan, ils ont empoisonné le prophète. Aïcha et Hafsa. Il leur a dit,
ne me mettez rien dans la bouche. Tu vois? Ne me mettez rien dans la bouche. Et ici, dans le Bukhari, on a, tome 4, on a, je donne le hadith, pour ceux qui veulent faire des recherches, 6830, Bukhari. D'accord? Omar, il dit, Omar ibn Khattab, lors du dernier pèlerinage que fit celui-ci à la Mecque, Omar, d'accord? Abdelrahman revint me trouver et me dit, ah, si vous aviez vu aujourd'hui cet homme, et Bukhari enlève le nom, il met cet homme, qui est venu trouver, me trouver, et il me dit, ah, si vous, si, me trouver, et il lui a dit, l'émir des croyants, et il lui a dit, oh, émir des croyants, que pensez-vous contre un tel? Il donne pas les noms. Qui a dit, hein, si Omar meurt, c'est un tel à qui je prêterai serment d'allégeance. Tu vois? Et Omar, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Omar, il dit, regarde, hein, Omar, il dit, il fait un discours et il dit, par Allah, l'élévation au califat de Abou Bakr ne fut qu'une chose qui fuyait. T'as vu comment ils l'ont traduit? Une chose Ouais, qui fuyait. fais le temps. Tu vois? Hein? Inna fais Qui le temps. fuyait. Comme ça, quand tu lis, tu comprends rien. En arabe, c'est fait le temps. Tu vois? En arabe, c'est fait le temps. Ouais. Hein? Kanat bay'ata Abu Bakrin, fait le temps. Ici. Attends. Alors, ici. Wallahi ma najid ayat al-rajm. Et c'est là qu'Omar dit, on a oublié de mettre le verset de la lapidation dans le Coran. Tu vois? Wama akhadna ayat, wama najid ayat al-rajm fi kitabillah. Ils ont oublié de le mettre dans le Coran, ce verset-là. Tu vois? Et il dit, alors. Ah, ici. Regarde, hein? Ici. Regarde. Innama كانت regarde ce qu'il dit Omar il dit إنما كانت بيعة كانت أبي بكر بيعة أبي بكر فلتة فلتة وتمت فلتة وتمت tu vois et on a réussi فلتة hein? on pensait qu'il allait avoir des émeutes mais on a réussi tu vois فلتة d'accord وكر الله شرها Allah nous a préservé de son mal tu vois tu vois Et Omar, il dit que le Coran il a été falsifié. Hein? Il dit, entre autres choses, nous lisions autrefois dans le livre d'Allah ce verset-là. Hein? Ne vous détachez pas de vos vrais pères pour chercher une plus glorieuse parenté, car c'est de la mécréance. Et il dit, on l'a oublié. On l'a oublié. Tu vois? Voilà. Tu vois? Hein? Regarde ici. Regarde ici. La nomination de Abou Bakr au califat n'a été qu'une chose qui fuyait. Un coup de poker, tu vois, mais qui est accompli. Hein? Regarde, regarde ce qu'il dit, regarde ce qu'il dit Omar. Et à supposer que tel était le cas, Allah vous a préservé de ces conséquences fâcheuses. Omar, il voyait que l'élection d'Abou Bakr, elle allait avoir des conséquences fâcheuses. Et alors là, regarde aujourd'hui, les musulmans, ils connaissent plus leur religion. À cause de ça. C'est à cause de ça. Regarde les conséquences fâcheuses, hein, qu'elle nous a apporté l'élection d'Abou Bakr. Regarde. Hein? Tu vois, il n'est pas un seul d'entre vous, hein, dont la gloire égale celle d'Abou Bakr, Omar il dit. Hein? Prêter serment de fidélité à quelqu'un sans qu'il soit élu ni électeur. Tu vois, Omar il a fait le vote, le suffrage universel. Regarde. C'est lui qui a inventé ça. Le suffrage universel, hein? Car cela les exposerait tous deux à être tués. Tu vois, Abou Bakr était le meilleur d'entre nous. Tu vois, il est en train de le défendre parce que les compagnons, ils voyaient qu'Abou Bakr, c'était pas le meilleur. Les compagnons, ils voyaient qu'Abou Bakr, c'était un traître, un menteur, un voleur, hein? On le sait ça. Ici, dans Sahih Muslim. Ici, hein, ici, ô Amir al-Mu'minin, Omar, tu vois, Omar, ô Amir al-Mu'minin, il y a Ali, je ne lis pas tout, il y a Ali et l'Abbas qui veulent rentrer, regarde, oui, puis à Omar, qui a répété la même parole interrogative, l'Abbas et Ali ont également répondu,
Tu vois, c'est un débat entre l'oncle du prophète et Ali. Et Ali. Et regarde ce qu'il dit Omar. Regarde ce qu'il dit Omar. Il dit à Ali, vous, regarde, Omar, il dit à l'Abbas, l'oncle du prophète et Ali, vous, Abbas et Ali, vous venez chez moi, Omar, hein, demandez-toi, Abbas, ton héritage provenant via ton neveu, le prophète Mohammed, et celui-ci, l'héritage de sa femme Fatima, hein, provenant de son père, le prophète. Alors, Abou Bakr a dit, le messager d'Allah dit, nous ne laissons rien comme héritage. Ils ont tout volé l'héritage de la famille du prophète. Ils ont tout volé. D'accord? Regarde. Rien, il leur a rien donné comme héritage. Regarde. Hein? Nos biens sont tous destinés, attends, hein? Sont tous destinés à être offerts en aumône aux pauvres. Il a pris l'héritage de Fatima. D'accord? Et Omar, il dit à Ali et à Abbas, vous avez trouvé Abou Bakr, vous l'avez pris pour menteur, pécheur, trompeur et traître. Traître. T'as vu? Ali et l'Abbas, ils voyaient Abou Bakr comme un menteur, un pécheur, un trompeur et un traître. Et ça, c'est dans Sahih Muslim, dans leur livre. Tu vois? Ça, c'est dans leur livre. Bon. Ici, Shéristani, dans le Milal ou le Nihal, très grand savant sunnite, d'accord? Bon, Shéristani. Attends. Je vais leur montrer quelle fois qu'ils diraient que c'est shit. Ah oui, je ramène toutes les preuves. Alors. Tu vois? Ici. Bon, j'ai tapé Shéristani dans Google. Regarde. Hein. Voilà. Aboul Fadl Shéristani. D'accord? Et ici, on a Mohamed Shéristani. Celui qui a écrit le livre, là. Le Milal ou le Nihal. Regarde. Shéristani. D'accord? Bon. Ici, ils disent. Je vais dans Wikipédia. Regarde. Il est né dans le district de Shéristan. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. D'accord? Bon. Regarde. Philosophe, historien, ulama, savant, théologien. D'accord? Mouvement, Ash'ari. C'est un Ash'ari. C'est qui les Ash'ari? C'est les sunnites. Regarde. C'était un Ash'ari. D'accord? Shéristani, qu'est-ce qu'il dit dans le Milal wa Nihal? Il nous dit ce qui a causé la perte de la communauté musulmane. Hein? Hein? Il dit voilà. Il dit wa amma al-ikhtilafat al-waqi'a fi hal maradihi. Il a dit la division elle a commencé durant la maladie du prophète, qui a entraîné sa mort. Ou à Ba'd ou à Fatihi. Et après sa mort. Et après sa mort. Ça a commencé. D'accord? Bain Sahaba. Entre les compagnons. Ils se sont entretués entre eux. Hein? Durant sa maladie et après sa mort. Bon. Et il dit, Fa'awul tanazou' fi maradihi alayhi salam. La première division, la première bagarre des compagnons, c'est lors de sa maladie. Hein? Fima rawahu Ahmed. Ibn Ismail. Ce que Ahmed Ibn Ismail, c'est-à-dire le Bukhari, a rapporté. Regardez. Mohamed Ibn Ismail, le Bukhari. Tu vois? Hein? Fima rawa Mohamed Ibn Ismail, le Bukhari. Tu vois? D'accord? Bon. Alors, regarde, le Bukhari, c'est là. Le Bukhari. Tu vois? Et il dit, Lamma shtaddan bin Nabi, lorsque la maladie du prophète, elle a augmenté, d'accord? Maradihi alladhi mata fihi, sa maladie dans laquelle il est mort, il dit, hein? Il a dit, atuni bidawat wa qirtas, aktub lakum kitaban
لا تضلوا بعدي. Ramenez-moi de quoi écrire. Je vais vous écrire un testament. Vous n'allez pas vous diviser après moi. فقال عمر, et عمر dit, إن النبي إن رسول الله قد غلبه الوجع. حسبنا كتاب الله. Le prophète est terrassé par la douleur. Nous avons le Coran, il nous suffit. فأكثر اللغط. Les voix s'élevèrent. La division. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا عني لا ينبغي عندي التنازع. Levez-vous, sortez de chez moi. Vous n'avez pas le droit de vous diviser chez moi. Tu vois, ça c'est la première division des musulmans. Elle a commencé à cause de qui? Le prophète il dit donnez-moi de quoi écrire et Omar il dit non, non, on a le Coran. Et je vous l'ai montré tout à l'heure dans le Bukhari. Bon, il dit ici, Cheikh Al-Islam dit la deuxième division des musulmans, la deuxième cause. Fi mawti alayhi salam, c'est durant sa mort. Qala Omar, toujours Omar. Tu vois, toujours Omar, Aïcha, Hafsa, Abu Bakr, ils sont toujours dans les parages. Toujours. Qala Omar, men qala anna, regarde, Omar il a dit, men qala anna Muhammad mata, d'accord, qataltuhu bi sayfi. Il dit, celui qui dit que Mohammed est mort, je le tranche avec mon épée. Je le coupe en deux. Daesh. Ça, c'est Daesh. Ça, c'est Daesh. Tu vois? Ça, c'est Daesh. Tu vois? Tout est là. Tout est là dans leur livre. Le seul problème, c'est qu'ils ne lisent pas. Wallah, ils ne lisent pas leur livre. Tu vois? Regarde, et plein de divisions, dès que, durant sa maladie qui a enterré sa mort, regarde, le khilaf thani, deuxième division. Quand il a dit, qala, qala, jahizu jaysh Usama, préparez l'armée d'Usama. Il voulait faire sortir Abu Bakr et Omar, les envoyer à la frontière, jordanienne, Comme ça, il meurt, Ali l'enterre, l'imam Ali l'enterre, et quand ils reviennent, ça y est, Ali est calife, ils peuvent rien faire. Ils n'ont pas voulu sortir. Regarde, ils n'ont pas voulu sortir. Regarde, il dit, fi maradihi annahu qala jahizu jaysh Usama. Azden, c'est toi qui es en train d'envoyer des cours. S'il te plaît, arrête. La'anallah man takhallafa. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. La'anallah man takhallafa anha. Il dit qu'Allah maudit. Qu'Allah maudit celui qui ne suit pas l'armée d'Oussama. Qu'Allah maudit celui qui reste en Médine. Hasben, c'est toi qui es en train d'envoyer les cours. Arrête, s'il te plaît. Tu m'entends? Hasben? Ouais, salam, je viens. J'étais pas là au cas où un abad. Arrête d'envoyer les cours, s'il te plaît. Ah, j'en vois pas. Ah ben c'est qui fait ça? Je vois moi aussi mon téléphone, ça doit être quelqu'un qui lit ou qui, je sais pas. Bon, bref. Iblis, il fait bien son boulot. Hein. Tu vois? Attends, je vais regarder. Hein. Tu vois ici? Qu'Allah maudit. La'an Allah man takhallafa an jaysh Usama. T'as compris? فقال قوم يجب علينا امتثال امره. T'as compris? Il y a un groupe qui a dit il faut qu'on lui obéit et un autre groupe qui a dit non. Tu vois? Jusqu'à ce que le prophète il est venu dans la mosquée, l'imam l'Abbas et le Fadl ibn l'Abbas, il le soutenait et ses pieds traînaient par terre, et il s'est assis sur le mimbar et il leur a dit pourquoi vous sortez pas? Ça fait une semaine que je vous ai dit de sortir, d'aller à la frontière jordanienne, et vous êtes encore là. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'Aïcha et Hafsa, ils étaient en train de lui mettre du poison, tu vois, dans sa bouche. Donc il voulait être présent. Il voulait être présent lorsque, tu vois. Et le dernier hadith que je voulais vous montrer, bon, il y en a plein, hein. Il y en a plein, hein.
Alors, ici, dans le Bukhari, ici, dans le Bukhari, tome 1, ici, ça c'est quand Omar y a été poignardé. Quand Omar y a été poignardé, tu vois, là, Omar y a été poignardé. À ce moment-là, un jeune, tu vois, là, Omar y a été poignardé. Tu vois, regarde, hein. Tu vois, regarde, hein. Kutayba nous rapporte en ces termes, Jarir ibn Abdelhamid nous rapporte en ces termes, etc., Abdelrahman, selon, etc., etc. J'ai vu Omar ibn Khattab dire à son fils en ces termes, ô Abdullah, va-t'en vers la mère des croyants, Aïcha, hein, tu vois, donne-lui le salut de ma part, puis demande-lui, hein, que je sois enterré avec mes deux compagnons. Tu vois, c'est pas le prophète qui a dit à Omar de se faire enterrer à côté de lui. C'est pas le prophète, c'est Aïcha. C'est Aïcha qui a enterré Abou Bakr et Omar à côté du prophète. Le prophète, il a jamais dit ça. Tu vois, c'est Aïcha. C'est elle qui décide. Tu vois, hein? Donne-lui le salut de ma part et demande-lui pour que je me fasse enterrer à côté de mes compagnons. Tu vois? Tu vois? Voilà. Et il y a nommé Omar, Uthman, Ali, Talha, Zubair ibn al-Awwam, Abdullah, Abdurrahman ibn Auf et Saad ibn Abi Waqqas. Il y en a nommé six. Il a dit, choisissez entre vous le calife. Alors, il laisse pas le prophète désigner le calife et Omar, lui, en désigne six. Hein? Et il dit à son fils Abdullah, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, tue les tous. Tue les tous. Tu vois? Tu vois? Voilà. Tu vois, c'est magnifique. Hein? Magnifique le coup d'État. Magnifique. Voilà. Magnifique le coup d'État. Hein? Et là, attends. Bah. Tu vois, donc ici dans le Bukhari, hein, le prophète est en train d'agoniser parce que Aïcha lui a mis du poison. D'accord? Et c'est lors de la prière. Bilal, il vient et il dit, il frappe à la porte, Aïcha, elle ouvre. Et Bilal, il dit, c'est l'heure de la prière. Et le prophète, il vient, il faut que le prophète, il vienne diriger la prière. Et là, le prophète, il est dans le coma. Il est dans le coma. Parce que, comme il était empoisonné, hein, à chaque fois, il leur a dit, mettez-moi rien dans la bouche, hein, il se réveillait et il retombait dans le coma. Il se réveillait et il retombait dans le coma. Il était très costaud. Ils étaient choqués. Hein. Ils n'arrêtaient pas de lui mettre parce qu'il était vachement costaud. Hein. Allah, il voulait que le prophète, il meure martyr. Allah, il voulait que le prophète, il meure martyr. Comme ça, il y a tous les degrés. Il est prophète, messager, imam et martyr. Ça, c'est tous les degrés. C'est la seule créature d'Allah qui a eu tous les plus hauts degrés dans la religion. Prophète, messager, imam et martyr. Tu vois? Hein? Alors, hein, il vient, et Aïcha, elle dit, regarde, c'est toujours Aïcha. Aïcha, elle a dit, c'est toujours elle. Elle dit à Bilal, le prophète y a dit, dites à Abou Bakr de diriger la prière. Alors que le prophète est dans le coma. Il n'a rien dit, le prophète. Il est dans le coma. Hein? Et elle dit à Bilal, va dire à Abou Bakr de diriger la prière. Elle se dit comme ça, si Abou Bakr, il dirige la prière, les musulmans vont dire, c'est le prophète qui l'a désigné, donc c'est le calife. Depuis quand on devient calife quand on dirige la prière? Hein? Mais elle dit, ça va marcher. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, il y a des pseudo-sunnites qui disent, ouais, il a dirigé la prière, donc il est calife. Jusqu'à aujourd'hui, 1400 ans plus tard. Tu vois? Donc, hein? Donc, Abou Bakr, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, ordonner à Abou Bakr de présider la prière des fidèles. Alors que c'est elle qui a dit ça. C'est elle, c'est Aïcha. C'est elle, garde, Bilal. Bilal va le trouver, tu vois? Et Aïcha, elle a ouvert la porte et elle a dit à Bilal, le prophète, il a dit à Abou Bakr de diriger la prière. Et Bilal, lui, il pense que c'est le prophète qui a dit. Alors que c'est Aïcha. Tu vois, c'est Aïcha qui a dit, c'est pas le prophète. Tu vois?
Donc Abou Bakr, il va dans la Bilal, il va dans la mosquée et il dit à Abou Bakr, le prophète t'a dit de diriger la prière. Hein? Comme la maison du prophète où il est décédé, elle est à peu près à 6 mètres. Hein? À 6 mètres. Hein? La maison du prophète, elle est à 6 mètres du mihrab, de l'endroit où l'imam il dirige la prière. Il y a 6 mètres. Quand Abou Bakr a commencé à réciter à voix haute, le prophète s'est réveillé de son coma. Il s'est réveillé. Hein, et il a entendu la voix d'Abou Bakr. Il a dit non, non, je suis pas d'accord. Il a dit, regarde, le prophète se rendit ensuite, hein, à la mosquée. Il était soutenu par deux personnes. Et il me semble encore le voir traînant les pieds sur le sol. Tu vois? Le prophète, il a dit à Ali et à l'Abbas, portez-moi. Il n'arrivait pas à marcher. Il leur a dit, portez-moi. Ramenez-moi à la mosquée. Non, 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 je suis pas d'accord. Ils ont fait un complot devant lui, devant lui. Omar, il le laisse pas écrire. Hein? Abou Bakr, il veut pas partir dans l'expédition. Aïcha et Hafsa lui mettent du poison. Aïcha dit à Bilal, dit à Abou Bakr de diriger la prière. Le complot, il est en train de se faire devant le prophète, devant ses yeux. Tu vois, devant ses yeux. Tu vois, regarde. Hein? Alors elle dit, il s'est senti bien. Le prophète s'est senti bien. Depuis quand, quand on se sent bien, on traîne les pieds. On n'arrive même pas à être debout. C'est ça, se sentir bien. Elle dit, lorsque le prophète il s'est senti bien, il a rentré dans la mosquée, il a reculé à Abou Bakr. Hein? Il a reculé à Abou Bakr. Et le prophète a dirigé la prière d'Abou Bakr. Et Abou Bakr, il a dirigé la prière des croyants. Deux imams. Ça n'existe pas. Wallah, il peut pas avoir deux imams. Alors, Zama, le prophète, il dirige la prière d'Abou Bakr. Et Abou Bakr, il dirige la prière des croyants. Hein? Et le prophète, il prie assis. Parce qu'il n'arrive pas à être debout. Et les musulmans, ils sont debout derrière. Hein? C'est quoi toutes ces conneries-là? Hein? Elle dit, il me semblait encore le voir traîner les pieds. Hein? À sa vue, Abou Bakr commença à se retirer. Hein? Comment le prophète, il dit à Abou Bakr, dirige la prière, et après, il le recule? Non! Comment le prophète, il dit à Abou Bakr, dirige la prière, et quand Abou Bakr, il commence à diriger la prière, le prophète, il vient et il le recule. Hein? Il y a plein de fois, en 23 ans de révélation coranique, il y a plein de fois où le prophète, il a désigné des gens pour faire la prière et il les a pas reculés. Il les a pas reculés. Hein? C'est comme si demain, l'imam de la mosquée, il dit, je vais arriver en retard, il demande à son suppléant, il dit, dirige la prière. Et le suppléant, il commence à diriger la prière, et l'imam, il vient au bout de la deuxième raka'a, et puis il recule, le suppléant, et il dirige la prière, lui. Ça veut dire quoi, ça? Ça n'existe pas dans l'islam. Quelqu'un qui commence la prière, il la termine. On n'a jamais vu changer d'imam comme ça durant la prière. Durant la prière, on fait un changement d'imam. Tu vois? Là, c'est une preuve qu'elle ment. Tu vois? Hein? Il me semble encore le voir traîner ses pieds sur le sol. À sa vue, Abou Bakr commença à se retirer, hein? Mais le prophète lui fit signe de continuer la prière. Et Aïcha, elle dit, Abou Bakr se retira en arrière et le prophète s'étant assis à son côté, parce qu'il pouvait pas être debout, il fit entendre le takbir aux fidèles. Tu vois? Et après, elle dit, elle invente encore un autre hadith ici, le 713. Regarde ce qu'elle dit. Regarde ce qu'elle dit. Regarde. Aïcha, c'est toujours elle. Toujours elle. Aïcha, elle dit, lorsque l'envoyé d'Allah fut gravement malade, Bilal vint l'appeler à la prière, hein, et elle dit que le prophète y a dit ordonner à Abou Bakr de diriger la prière des fidèles. Ça, c'est Aïcha qui l'a dit. Elle a dit à Bilal, le prophète y a dit, va dire à Abou Bakr de diriger la prière. Le prophète, il pouvait pas dire ça, il était allongé sur le lit. Il pouvait même pas se lever. Il y avait besoin de deux hommes. Tu vois? Non. Tu vois? Et tu vois, elle a dit, après elle a inventé un système, elle a dit, mon père il pleure beaucoup, dis à Omar. Là elle est en train d'inventer, elle est en train d'arranger l'histoire à sa sauce, et à la sauce de son père, et à la sauce de Omar. C'est toujours les mêmes. Tu vois? Tu vois? Tu vois? Regarde, après elle dit, Abou Bakr avait entamé la prière, regarde. Elle dit, Abou Bakr, il a commencé la prière, il l'a entamé. Tu vois? Lorsque l'envoyé d'Allah se sentit bien, une légère amélioration. Il n'y avait pas d'amélioration.
Hein? Elle dit, il se leva puis soutenu par deux hommes, par deux personnes, en traînant les pieds sur le sol. Est-ce que ça, c'est une amélioration? C'est pas une amélioration. Parce qu'elle a dit ici dans le hadith 712, elle a dit que le prophète, il a prié assis. Tu vois? Le prophète s'étant assis à son côté. Il a prié assis. Elle est où l'amélioration? Ça veut dire que Aïcha, elle a mis son père. Et quand le prophète a entendu Abou Bakr réciter, hein, quand il a entendu réciter le Coran dans la prière, il a dit à Abou Bakr, le prophète il a dit à Ali et à l'Abbas, portez-moi, ramenez-moi à la mosquée. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle fait Aïcha? C'est elle la maîtresse de cérémonie, c'est elle. C'est elle qui a tout comploté. Regarde, c'est elle qui a tout comploté. Si vous vous repentez, Aïcha et Hafsa. Hein, tu vois ici, regarde. Regarde ici ce qu'il dit dans le Coran. Dans le Coran. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Mais si vous soutenez l'une l'autre contre le prophète, vous vous soutenez contre le prophète. Tu vois? Et c'est exactement ce qu'elle a fait ici. Ici. Tu vois? Et ici, elle dit, le prophète, il vient s'asseoir à la gauche d'Abou Bakr. Hein? Celui-ci priait debout. Abou Bakr priait debout. Tandis que le prophète, il priait assis. Abou Bakr suivait la prière de l'envoyé d'Allah et le fidèle suivait la prière d'Abou Bakr. Deux imams. Deux imams. Deux imams. C'est pas possible, deux imams. C'est pas possible. Ouais, bah ouais, ça craint. Live chiite ou Regarde. pas chiite, c'est vos livres, Ben Ammé. Arrêtez d'être con comme ça. C'est vos livres qu'il lit. Arrêtez, Ben Ammé. Regardez, écoutez, c'est vos livres. On s'en fout chiite ou pas chiite. Alors attends. Attends. Non, je me calme pas, parce que vous êtes bêtes, vous comprenez rien. On vous montre vos preuves dans vos livres et vous parlez, c'est quoi, c'est un live chiite? C'est n'importe quoi, wallah al-adhim. Montre le livre, ben il est là devant tes yeux, Sahih Bukhari. Voilà, ça garde. Voilà, regarde, Sahih Bukhari. C'est parce que vous lisez pas vos livres. Vous êtes Regarde. musulman sunnite, vous connaissez pas votre Regarde. religion. Regarde. Ça, regarde, Nous, ça est pendant musulman. 40 ans, on était Regarde. sunnite. Bukhari. Regarde. Bukhari. Regarde. C'est que du Bukhari, du musulman. Regarde. Bukhari, Bukhari, 40 ans, musulman. 40 ans qu'on était sunnite, Voilà. hein? Regarde. Musulman, tu vois. S'ils Et veulent vous aller en trouvez que le enfer. cynisme, c'est nul, c'est pas une Azo. religion, Azo, hein? non. S'ils Ouais. veulent aller en enfer, c'est leur problème. Ben ouais. Regarde, Bleach est sunnite. Je connaissais déjà ces versets, mais bon, après, tu connais, mais après, il faut appliquer. Hein? Attends, je cherche un autre. Ben, viens lire nos livres. Déjà, lis les tiens. Nous, on a lu vos livres et nos livres. Toi, tu veux venir lire nos livres? Lis les tiens déjà. Lis les tiens. Comme ça, quand tu viens parler avec nous, tu tiens la route. Il lit pas, mesquine. Wallah, il lit pas. 40 ans, on a lu vos livres. Et vous venez, vous nous dites, c'est un live shit. N'importe quoi. Franchement, raisonnez, raisonnez. Allah, il vous a donné une raison, utilisez-la. Mais le sunnisme, c'est ça. Hein. Nous, heureusement, on est sortis de là. Le sunnisme, on nous conditionne pour pas qu'on réfléchisse par nous-mêmes. Dans le sunnisme, on n'a pas le droit de réfléchir. Ton savant, il a dit ça. Fais-toi, haram, halal, cherche pas à comprendre. Et nous, on va pas chercher les preuves, on va pas regarder. On s'en Ouais, fout, ici, on elle est rapporte. quoi? Le principal, c'est que regardez les livres qu'on lit. Après, on s'en fout. T'es quoi? T'es soufi, t'es chiite, t'es sunnite. Regardez les livres. En tout cas, lui, c'est sûr, il est con. Hein. C'est sûr et certain. T'as vu n'importe quoi, je t'ai dit, ils sont cons. Allez apprendre la base, comment prier. Tu sais, toi, si t'es sunnite, tu sais que tu pries comme les juifs? Ouais, regarde Tu ici. sais que tu pries Attends, comme les juifs? regarde ici. Regarde ici. Regarde ici.
Nous, on prie comme qui? Comme l'imam Ali. Comme l'imam Ali. Il a vécu avec le prophète, alayhi salam. Regarde. Attends. Attends, parce que là, je suis avec une seule main. Il faut que je pose ça. Et je vais vous montrer un hadith. Oui, ben ammi. Allah, alhamd. Walillahi alhamd. Voilà. Regarde, ici dans Sahih Muslim, regarde, authentique de Muslim. Bon, ici il y a un hadith où le prophète il dit, hein, Abu Hudayfa ibn al-Yaman raconte, nous étions en compagnie du messager d'Allah. Regarde, hein, lorsqu'il nous dit, dites-moi quel est votre nombre, combien vous êtes de musulmans, d'accord, qui prononce publiquement l'islam. Hein, combien vous êtes à propos à montrer votre islam devant tout le monde sans avoir peur, hein. Nous répondons, les compagnons, ô messager d'Allah, hein, est-ce que tu crains pour nous, bien que nous comptions entre 600 et 700 compagnons musulmans à cette époque-là, hein. Et le prophète dit, vous ne savez pas ce qui pourrait vous arriver après ma mort. Vous pourriez être éprouvés, hein. Et après la mort du prophète, Hudayfa il dit, et Hudayfa de conclure, nous voici certainement si éprouvés que l'homme d'entre nous ne fait la prière que secrètement. Ils ont commencé à prier en secret, en cachette. Ils priaient la prière du prophète en cachette. Tellement ils avaient peur des Omeyyades, les compagnons. Tu te rends pas compte? Ils étaient en train de prier la prière du prophète en cachette. En cachette. Tellement ils avaient peur. C'est musulman, ça. Ouais, c'est musulman. C'est musulman, voilà. Ouais. Donc, tu vois, t'as pas besoin de savoir si on est chiite. Hein, les livres, c'est des sunnites, c'est des livres sunnites. Le livre lui-même, c'est un livre sunnite. Mohamed. Tu vois? C'est un livre regarde, sunnite. Attends. Regarde, hein, attends. Yeah. Regarde, attends la suite. Hein. Yeah. Livre sunnite, hein. Regardez bien. Après, vous vous en foutez de ce qu'on est. Regardez les livres. Ici? Attends, ici. Hein. Ici. Ici, regarde, dans Sahih al-Bukhari, hein, il vient nous dire qu'il faut apprendre à prier. Regarde, dans Sahih al-Bukhari, tome 1, Sahih regarde. Al-Bukhari. Ici, ah ouais, Sahih ici je le connais par cœur. Hein. Hadith 529. Bon, ici. Le livre, c'est pas un chiite, c'est un sunnite. Anas, le serviteur du prophète, il dit, je ne reconnais plus rien de ce qui était au temps du prophète. Ils ont tout changé. Ils ont tout falsifié. Anas, le Ibn Malik, le serviteur du prophète, il dit, je ne reconnais plus rien de ce qui était au temps du prophète. On lui a dit, et la prière? Elle n'est pas la même qu'au temps du prophète? Lui dit-on. Il a dit, la prière, répondit-il, ne vous l'avez-vous pas assez négligé? Même la prière, vous l'avez transformée. Tu vois? Voilà. Tu comprends? Et le hadith 530. Regarde, 530, Bukhari. 530 Bukhari, regarde, hein, ici, Uthman ibn Rawad, frère de Abd al-Aziz, qui avait entendu Az-Zuhri dire, je suis entré chez Anas ibn Malik à Damas, il pleurait. Anas est en train de pleurer, le compagnon du prophète. Ils lui ont dit, qu'as-tu à pleurer? Il dit, lui dis-je, hein, il a répondu, il a dit, ah, répondit-il, je ne reconnais plus rien de ce que j'ai vécu autrefois avec le prophète. Il ne restait que la prière. Et la voici elle-même négligée. Vous faites plus la prière du prophète. Voilà, livre sunnite. Hein. Tu sais, il faut le répéter tous les deux minutes en abad. Voilà. Bon, à mon avis. Hein. Attends. À chaque fois, tu dis un mot, livre sunnite. Comme ça, ils s'en rendent compte que c'est leur livre que tu lis. Voilà. Ici, toujours dans le Bukhari, nous, on fait la prière de qui? Des chiites. De l'imam Ali.
Nous, on prie comme l'imam Ali, comme les 12 imams descendants du prophète. Ici, dans le Bukhari, regarde, dans le Bukhari, tome 1, ici, regarde, hein, hadith 786. Moi, ça m'arrange parce que plus il parle, plus il sort des sources. Wallah, je connais toutes les sources, je connais par cœur. Wallah, là, je me balade. Je suis comme un poisson dans l'eau. Regarde, regarde ici, hadith 786 dans le Bukhari. Regarde, hein, regarde, ici, ici. Le Mutarrif ibn Abdullah a dit avec Imran ibn Hussein, le compagnon du prophète, un ancien, je fis la prière derrière Ali ibn Abi Talib. Ils ont prié et Ali c'était l'imam. C'était l'imam. Regarde. Hein, comme imam. Écoutez Ali était bien, imam. Ce dernier prononçait le takbir lorsqu'il se prosternait. Il le prononçait également lorsqu'il relevait la tête. Et encore quand il levait, quand il se levait après les deux raka'a. La prière achevée, Imran ibn Hussein, le compagnon, me prit par la main et il me dit, cet homme, Ali, vient de me rappeler la prière de Mohammed. Ou, suivant une autre variante, une autre chaîne de transmission, cet homme, Ali, vient de diriger notre prière comme le faisait Mohammed, le prophète. Tu vois, Ali, dans un livre sunnite. Le seul qui faisait la prière du, le seul qui faisait la prière du prophète, c'est Ali. C'est l'imam Ali. Tu vois? Voilà. Et je vais arrêter là. Je vais arrêter là. Je sais qu'on est 172. Je sais très bien que dans les 172, je sais qu'au minimum, je sais qu'au minimum, il y en a trois qui vont changer d'avis. Ils vont aller faire des recherches et ils vont changer d'avis. Bon, les autres qui suivent mes cours dans YouTube et dans TikTok, hein, que je parle pas d'eux. Ils sont là, je sais, ils sont dans le live. Tu vois? Ils sont dans le live, tu vois? Lui, Mister, il attend la fin pour demander des questions. C'est l'heure de la prière. Regarde, va faire les ablutions et va prier. C'est l'heure de la prière. Il bon, fait les ablutions comme dans le Coran, comme nous, hein. Sur ce, je vais vous dire salam alaikum. Et pour ceux qui n'ont pas vu ce live-là, je vais le mettre dans YouTube, Inch'Allah. Allez, salam alaikum tout le monde. Portez-vous bien. Et bonne soirée. Salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Attends, je mets une dernière fois la chaîne YouTube. Regardez, allez vérifier dans la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Hop, abonnez-vous. Tout est dedans. Regardez. Tout. Toutes vos sources sont dedans. Allez, hop, allez-y, vérifiez. Allez, salam alaykoum tout le monde. Salam alaykoum, Mahdi. Alaykoum salam, rahmatullah. Rabbi yahfadkoum. Amin. Allez, salam. Amin. Amin.